Même lorsque vous respectez les 10 principes de protection de la vie privée et utilisez les mesures de sécurité les plus strictes, des atteintes à la vie privée peuvent se produire et se produisent. Les mesures que vous prenez pour remédier aux atteintes à la vie privée, si ou quand elles se produisent, peuvent faire toute la différence pour votre entreprise. La loi vous oblige à déclarer au commissaire à la protection de la vie privée toute atteinte aux mesures de sécurité créant un risque réel de préjudice grave. Aviser les clients concernés de toute atteinte de cette nature. Aviser les organisations susceptibles de réduire le risque de préjudice ou d'atténuer le préjudice pouvant résulter de l'atteinte. Et tenir des registres de toutes les atteintes pendant au moins 2 ans. Un préjudice grave désigne lésions corporelles, humiliation, atteinte à la réputation ou aux relations, perte de possibilité d'emploi, d'occasion d'affaires ou d'activité professionnelle, perte financière, vol d'identité, effet sur le dossier de crédit ou dommages aux biens ou leur perte. Les rapports d'atteinte à la vie privée au CPVP devraient décrire les circonstances de l'atteinte, le moment où elle s'est produite et, si elle est connue, sa cause. Énumérer les renseignements personnels concernés. Préciser le nombre de personnes touchées et expliquer les mesures prises par l'entreprise pour réduire le risque de préjudice pour les clients touchés.